belles, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnel direction la Corée du Sud avec le boss group coréen NCT Dream et leur deuxième full album qui se nomme Glitch Mode. Et d'ailleurs c'est le titre phare qui nous présente tout simplement aujourd'hui en MV. Alors j'ai regardé quelques teasers, ça me fait trop penser un petit peu à leur titre Chewing Gum, je sais pas pourquoi, et toute cette explosion de couleurs, néon et tout. Et au niveau sonore, ça me plaît, mais c'est un petit peu ce qu'ils font d'habitude. Donc je sais pas, je pense que je vais être bon public, que je vais bien aimer, à voir. C'est parti, donc on va découvrir tout simplement ceci maintenant. Glitch Mode, ça se passe dans une médiathèque? On dirait. Il y a des glitch mode partout. Leur DVD. Oh. Marc. Oh, sympa. Oh. Oh, oh, oh. J'aime bien. C'est comme sur une arrêt, sur une image. Oh. Oh bah il y a de la technologie hein. J'adore ce vert néon qui est bien présent, mais il y a vraiment un dégradé de vert et un dégradé de rose aussi hein. On dirait que c'est les couleurs prédominantes hein. Ou même dominantes je dirais hein. J'adore son pantalon clouté la rose. Oh, il y a une douceur avec des petites fleurs. Mais il y a encore ce vert qui est présent. Oh, oh, le visuel est beau là. Alerte d'urgence, mauvais code les gars. Mode glitch. Ok. J'adore. Hey, hey. Allez, c'est carrément, t'entends ça, tu sais que c'est du NCT, n'importe quelle sous-unité, tu vois. Mais encore une fois, je sais pas expliquer. Mais je suis bon public, j'adore, hein, mais parfois t'aimerais qu'ils sortent un peu de leur confort et de faire un autre genre, quoi, je sais pas. Hein. Mais c'est leur marque de fabrique en même temps, donc tu peux pas, enfin, voilà quoi. J'adore, je veux bien un album s'il vous plaît. En bourré, s'il vous plaît. Ouh. Oh, on dirait un jeu vidéo. Au niveau des tenues, ça va. C'est pas trop... Parce que parfois, c'est tellement farfelu, tu te dis, mais ils ont fait quoi, les stylistes? J'aime beaucoup ce qu'il a fait dans ses cheveux avec ses mèches. C'est sympa. Ouh, très belle transition. Il est fâché pourquoi? Ah! Une neige, la reine de neige est arrivée. Ouh! Ok! Alors là, je l'ai pas vu venir. Ouais, tu restes quand même surprise. Je disais, ouais, ça reste un petit peu comme ils vont, mais là. En mode rock? Bah oui, moi je dis oui là! Chouk, secoué. Ah, on retombe là. Oh, j'adore trop cette partie. Ok, là on est plus sur du vert bleu. C'est vraiment les trois couleurs dominantes, je trouve hein. Le vert, le bleu et le rose. J'adore ces couleurs. J'aurais dû faire un make-up comme ça, tiens, aujourd'hui. Pour le coup. Oh, les petits emojis. J'adore. C'est validé là hein. Ah bah vous savez quoi, je disais oui, ils sont trop dans leur confort, toujours le même genre de son et tout, mais c'est vrai qu'avec NCT on a l'habitude, SM, toutes les sous-unités, de faire un titre mais avec tellement de choses dedans que t'as l'impression qu'il y a plusieurs titres dedans. C'est
ça fonctionne, tu vois. Franchement, ça fonctionne. Et au début, je dis, oh non, c'est grave. J'adore, c'est pas ça, je suis bon public, mais ça ressemble un petit peu à déjà ce qu'ils ont fait et tout. Et puis, ce moment rock qui arrive, ça change, mais toute la dimension de la chanson, les gars. C'est ça que j'aime avec NCT, parce que t'as un moment à chaque fois percutant. Et là, c'était ce moment percutant. J'ai trop adoré cette partie en mode Blizzard, Reine des Neiges. Libéré, délivré. Oui, je sais, ça n'a rien à voir. Je sais, je sais, je sais. Mais oui, franchement, j'aime le fait que le MV a été tourné tout le temps dans, on va dire, la même pièce. On dirait vraiment comme si tu étais dans une sorte de jeu vidéo et en même temps après tu vas dans une sorte de rouage, comme si tu étais dans ton cerveau, dans le cerveau du jeu et qui sont aux manettes là. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire et si c'est compréhensible. J'aime le fait qu'il y a vraiment que des couleurs dominantes. D'abord vous avez vraiment le vert néon et puis une sorte de vert, enfin t'as vraiment des nuances de vert de toutes sortes, j'aime beaucoup. J'aime le fait aussi qu'après on passe au rose, c'est aussi des différents roses, mais le néon rose plus présent. Et puis ce côté moment rock, le bleu, blizzard et tout, c'est vraiment ces trois couleurs dominantes dans le MV et je suis en surkiff. Moi, je sais, si vous me connaissez maintenant depuis un peu plus d'un an, j'adore les couleurs, le peps de ces couleurs, c'était juste canonissime. J'aime le fait aussi qu'il y a toute cette pochette en Blu-ray et vraiment... Le nom en fait de la chanson, ce côté glitch mode, les paroles, il y a beaucoup de paroles que je disais pendant ma réaction que j'ai apprécié. Et vraiment cette chorégraphie qui est encore d'une puissance, encore un visuel génial. Au niveau des photoshoots, je disais qu'est-ce qu'ils ont foutu au niveau coiffure et tout. Mais franchement dans le MV ça passe vraiment, c'est super, j'aime bien les petites mèches rouges qui sont présentes là, ça reste encore... sympa et pas non plus farfelu. Au niveau tenue, ça va, ils ont pas non plus commencé à mettre plein de trucs partout qui ressemblent à rien, parce que parfois SN ils abusent au niveau vestimentaire avec les NCT et parfois leurs autres groupes, je dis mais qu'est-ce qu'ils foutent. Je peux comprendre que t'as envie de faire libre cours à ton imagination et la mode etc etc, mais à un moment donné il faut pas trop abuser. Mais là ça va, ça passe largement, il y a beaucoup de tenues, des pièces que j'aimais bien, vraiment un bon visuel, les transitions, franchement vous avez fait du bon taf les caméramans. Oui Pikachu, manifeste-toi mon petit bébé d'amour. Et franchement j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Je pensais pas que j'allais aimer dès les premières minutes, enfin premières secondes, je disais, comme je le disais, oh non encore, 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 mais finalement non, il y a vraiment ce moment percutant là en mode bizarre, the perfect. Ils nous reviennent vraiment avec un son... génialissime, j'ai hâte d'écouter le reste de l'album et écouter surtout cette chanson en boucle parce qu'aujourd'hui ça va être journée YouTube, j'ai plein de vidéos que j'ai préparées, des sorties du week-end et tout qui vont sortir sur la chaîne, donc préparez-vous à une avalanche. Et j'ai une petite surprise, j'ai filmé 3 vidéos avec ma petite mamounette quand elle est venue la semaine dernière. Je peux vous dire qu'il y a des fous rires au rendez-vous. Revenons à NCT Dream et leur deuxième full album. L'album est déjà sur iTunes, je l'ai téléchargé direct. Il est composé de 11 titres. Ouh là 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 là. La SM, vous faites vraiment. Hein. Alors, au niveau de la jaquette, j'aime beaucoup parce que tu retrouves quand même les codes couleurs de ce bleu, vert et de ce rose. Mais il y a du jaune qui est présent. C'est vrai qu'il y avait du jaune qui était présent, mais j'ai pas dans le souvenir si présent que ça. J'aime aussi le NCT Dream 02+, pour dire le deuxième full album, le glitch avec le W, le cœur, puis cette pompe à essence en mode mode, ils sont vraiment à une station de service, le glitch, le NCT Dream, il y a vraiment tous des petits détails, t'as l'impression un petit peu que c'est kitsch mais en mode bande dessinée, c'est vraiment appréciable, j'aime bien. Franchement, quand j'aurai de l'oseille, parce que là j'essaye d'économiser, j'arrive même plus à économiser parce que je dois acheter des trucs, parce que je pars 3 semaines faire un road trip, j'essaierai de me rattraper tous les mois et de m'acheter aussi les albums et tout. Et j'essaye d'économiser aussi parce qu'il y a quelque chose qui va se passer sur ma chaîne YouTube, mais je vous dis pas plus. C'est une surprise, mais j'espère que vous avez, que vous allez apprécier. En tout cas, je travaille sur un petit projet avec quelqu'un. Je dirai pas plus, non, 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 non. Mais j'espère que ça vous plaira. Mais c'est un certain budget aussi, donc j'ai pas un salaire de ministre non plus, donc c'est pas évident, quoi. Hein. Mais hors sujet, je peux vous dire que c'était juste un surkiff. Oh, je vais me remater le MV, je crois. Oui, oui, oui. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié également le retour. Toute cette explosion de couleurs, également leur titre, ce moment percutant également. Moi je vous fais plein, plein, plein d'énormes gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Lara.